Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte como nadie te ha conocido. Dime que me quieres. Okay. Je suis dépassée par tous les messages que je reçois. Je reçois tellement de messages. C'est impressionnant. Je ne pensais même pas recevoir autant de messages, autant de bienveillance envers moi, envers mon projet. Ça me touche énormément. Je vous jure, c'est trop, 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 trop bien. Je suis choquée carrément de tout ce que je reçois, de toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont soutenue, qui m'ont dit que mon projet il était magnifique. Enfin, c'est vraiment c'est incroyable. Du coup, je n'ai pas encore répondu à tout le monde et je vais essayer de prendre le temps ce soir ou demain pour répondre à tout le monde parce que ça a vraiment été compliqué là avec la soirée, avec tout ce qu'on a fait et tous les messages que j'ai reçus, les identifications et tout ça. Mais je vais essayer de répondre à tout le monde dès que je sais et les personnes que j'ai pas répondu ou que j'ai ouvert les messages et puis qu'après j'ai pas répondu, je suis vraiment désolée. Mais je devais trop gérer hier soir et c'est vrai que du coup je lisais en 2-2 et puis après j'oubliais de répondre. Donc je dois vous répondre, enfin en tout cas je suis choquée de tout ça. C'était une inauguration incroyable. Franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux. C'était vraiment génial du début à la fin. C'était trop bien. C'était trop, trop, trop bien. Je tiens vraiment à remercier tous mes amis qui étaient là. Ça m'a vraiment montré l'amitié que j'ai avec certaines personnes. Et même les gens que je ne connais pas plus que ça qui étaient là, ça m'a vraiment fait plaisir. Et voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Je tiens principalement aussi à remercier Athéna qui m'a aidée pendant toute sa semaine de congé, qui était là tous les jours avec moi pour m'aider à faire toutes les dernières choses à faire dans le salon. Je tiens à remercier aussi Cédric et Benoît qui, depuis le début, sont là à me soutenir, à me faire avancer dans mon projet, à faire plein de trucs pour moi, que ça soit du côté administratif ou que ça soit les préparations, que ça soit aussi les choses qu'ils ont fait dans mon salon, le travail qu'ils ont fourni pour moi. Enfin, c'est vraiment... Je me rends compte vraiment de l'amitié que j'ai avec les gens. Ici, surtout mon frère de cœur que j'aime plus que tout, Kevin, qui est mon pilier depuis le début, qui m'aide dans tout, qui pense toujours à mon bien, qui me fait avancer. J'ai limite les larmes aux yeux quand je dis ça. Qui me fait avancer tout le temps dans ma vie, qui s'inquiète tout le temps pour moi, qui veut toujours le meilleur pour moi. Je vous jure que j'ai un ami, un meilleur ami, mais tellement incroyable, tellement unique, tellement gentil, tellement... tellement vrai, sincère, loyal. Enfin, c'est vraiment... c'est trop une perle, ce mec. Vraiment, vraiment. J'ai vraiment les larmes aux yeux quand je dis ça. Et ses parents aussi qui sont mes deuxièmes parents. Parce que comme je vous ai dit hier, moi, j'ai des parents, mais qui ne sont pas là pour moi. Et voilà, c'est assez compliqué. Donc, j'ai vraiment réussi à trouver une vraie famille. Je suis hyper émue, je vous jure. Je suis trop, trop, trop contente. Lisa, Youssef aussi, qui, depuis le début, font plein de choses pour mon salon. Qui... on grattait aussi à remercier Aurélie qui a fait le déplacement jusqu'à Liège pour venir voir mon projet. Joyce aussi, Sandra. Franchement, je vous aime trop aussi les filles. C'est ouf. Je ne sais même pas comment exprimer tout l'amour que j'ai pour toutes les personnes qui m'entourent. Tellement que c'est super fort et tellement que je suis trop heureuse en fait d'être entourée de personnes comme vous. Voilà, je vous aime trop. En tout cas, hier c'était génial, on a bien fait la fête. Là maintenant, on va aller tout nettoyer parce que le salon, on dirait qu'on a fait projet X. Mais voilà, je suis trop fière que tout le monde a dit que c'était beau, que mon projet il était vraiment beau et tout ça. Et toutes les personnes aussi qui n'étaient pas là et qui m'ont félicité via mes réseaux. Voilà, je suis grave émue, c'est trop bien. Et demain, on commence cette nouvelle aventure ensemble.
Juste un petit message pour vous dire ça, vous mes amis, que j'aime vraiment super fort, c'est très sincère. L'amour que j'ai pour vous, il est vrai, il est pur, il n'y a pas de jalousie entre nous, il n'y a pas de malveillance. On veut que le bien de chacun d'entre nous. Et je suis vraiment, mais vraiment fière de pouvoir dire aux gens qu'en fait, ben, je suis entourée de personnes comme vous parce que vous êtes tous uniques et je vous aime tellement fort. Et voilà, je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait pour moi et que vous allez encore faire pour moi, comme moi je ferai plein de choses pour vous parce que ben, vous êtes vraiment ma famille, vous êtes grave dans mon cœur et voilà, je vous aime super super fort et encore merci pour tout. Qu'est-ce que je l'aime, cette fille, maman. Et ça me ferait vraiment plaisir que tu sois bon. On sait bien que tu es sur Yelena et à mes 7 ans du salon. Je t'aime. Mais moi aussi, mais par contre, tu vas être un peu moins bon, très bien, manger. Ouais. Je demande. À remercier Aurélie qui a fait le déplacement jusqu'à Liège pour venir voir mon projet, Joyce aussi, Sandra, franchement je vous aime trop aussi les filles, c'est ouf, je sais même pas comment... Il y a des Français qui se lèvent le matin qui sont à 1 200 € par mois. Honnêtement, comment on vit avec 1 200 € par mois dans notre grand pays aujourd'hui? Tu vis pas. Il faut qu'on pose une question simple et qu'on y réponde. Sans démagogie, sans parti pris, qu'on soit de gauche, de droite,